Bonjour, vous êtes bien à la société d'Hugo Eco DME. Donc actuellement, on n'a pas le manuel français du WET 3000 qui est vraiment notre standard en équine bovine. Donc on vous fait une vidéo sur toutes les... Parce que moi, je connais bien cet appareil. J'ai vendu un Veto pour les chevaux de course déjà il y a pratiquement 10 ans. Donc maintenant, c'est les nouveaux modèles. Hein, mais bon, c'est vraiment le plus solide pour cette utilisation. Mais il faut un peu comprendre l'ergonomie au fond du tableau. Donc déjà, on va se mettre un peu de gel. Bon, j'ai pas de chevaux, donc ça va être moi le cheval. Donc, déjà, on va se mettre un peu en position pour voir sur la caméra. Vous puissiez voir un peu sur la caméra, en gros. Même si l'image est jamais géniale à la caméra comme ça. Donc, voilà. Donc, une chose, quand vous êtes en temps réel, c'est-à-dire là, vous frisez l'image. Là, vous défrisez. Vous avez accès au menu de droite. Le menu de droite, c'est fréquence, fréquence de rafraîchissement de l'image, le gain général. Là, il y a beaucoup de gains, mais enfin, je pense qu'on pourra un peu baisser ça. Enfin, ça booste bien quand on est en extérieur. Vous avez donc toutes ces fonctions-là, ici, sur ce côté-là. Hop, quand on se met en freeze, on n'a plus accès. Je vais vous montrer comment on fait. Eh ben, c'est simple. Pour descendre, pour aller sur une... sur une fonction et remonter, c'est toujours les deux flèches 7 et 8. Une fois que vous êtes quelque part, c'est avec les deux flèches verticales qu'on change les valeurs. Là, vous voyez, j'enlève un peu de gain. Je trouve ça un petit peu fort, mais enfin bon, ça dépend. Mais si vous voulez que ça booste un peu plus, bon, bah, vous utilisez ça. Vous avez le niveau de gris, vous avez d'autres fonctions. Par exemple, vous pouvez... descendre, c'est le niveau de gris. Bon, tout ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc on va friser, on va regarder d'autres choses. Il faut bien comprendre une chose sur cet appareil, c'est tout simple. C'est qu'en fin de compte, vous avez des fonctions, vous avez des choses qui sont marquées, mais vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire que vos touches numériques, elles vont être là jusqu'à 9. Ok ? Ça sera le 0, ça sera le 1, le 2, c'est tout marqué. Hein. Mais il y a aussi des fonctions qui sont ajoutées en termes d'ergonomie. Donc, je vais vous montrer, par exemple, quand vous cherchez, vous voyez, si j'ouvre ça, par exemple, ça, c'est pour noter les patients et tout ça, pour bon, quand vous voulez référencer une photo. Pour sortir, vous appuyez sur B, ou vous faites ça et vous sortez de la fonction. Donc, B, c'est image simple. BB, c'est deux images. Vous voyez, deux images. BM, c'est en mouvement, mais ça ne vous sert pas à grand-chose, je pense. Et ensuite, vous avez d'autres fonctions qu'on verra. Bon, on va se remettre en freeze, on va se remettre en B. Image simple. B. Alors, quand je descends, je vais plus bas. Hein, on descend beaucoup plus bas dans la sonde. Quand j'utilise la touche 5 verticale, on augmente, on grandit. Voilà, comme ça, vous pouvez directement... jouer. Bon, si vous voulez faire une mesure, il y a la mesure simple qui n'est pas associée avec une mesure obstétrique. On se met en freeze, on appuie sur le 9, excusez-moi, sur le 9 pour avoir notre première référence. Ensuite, on bouge notre référentiel. On appuie sur la touche maximale à droite, là, avec les deux petites étoiles. Et on sort la deuxième mesure. On a notre mesure de longueur, là. OK, 29 mm. Maintenant, on sort. On va sortir de la mesure. Hop, voilà. Et on va faire... voilà, on va sortir nos menus équins de un peu en obstétrique pour la GSD. Donc, vous voyez, il y a marqué 0 pour quand j'ai ouvert le menu. 0 pour Equine GSD. Donc, le 0, c'est quoi? C'est la première touche, là. Hop. Maintenant, on a notre mesure. Donc, on fait comme on fait d'hab. On sort notre première référence, on bouge. On va chercher un peu ce qu'on veut. On rappuie. On va sortir notre deuxième curseur. Et ça vous sort la GSD, le GA, voilà, directement. Pour sortir, vous appuyez, vous faites B, hop, vous sortez de cette fonction.
On est toujours dans le body mark, donc ça c'est pour les annotations. Qu'est-ce qu'on a comme autre fonction importante? Je vais vous sortir. Bon, on a le ciné loop. Bon, bah ça, le ciné loop, vous connaissez. On fait un 0. Hop. Il va enregistrer, il est en train d'enregistrer là, tout ce que je fais. Voilà. Maintenant, ça y est. Il a gardé, il tourne. Au bout d'un moment, il s'arrête si jamais il n'y a plus de... Là, il est en train de tourner un peu en bouche. Bon, le ciné loop, hein, c'est un peu un gadget. Je pense pas que ça vous est vraiment très, très utile. Quelles sont les fonctions? Bah, on va faire une fonction sauve. Fonction sauve, c'est dans le 1. 1. Hop, j'ai sauvé l'image. Il m'a donné un numéro. Donc voilà. Ça, c'est déjà une fonction importante. Area volume, c'est le 7. Donc vous allez sur 7. Hop, il vous fait fluent, ça veut dire vous le faites vous-même, votre ellipse. Ou 2, volume ellipse. Donc là, vous avez une ellipse. Vous pouvez la déplacer. Une fois que vous appuyez sur le curseur, vous pouvez changer la taille de l'ellipse. Et ça vous sort le volume. Alors évidemment, si vous voulez faire un vrai volume, vous pouvez le faire en BB, c'est-à-dire volume d'un côté, volume de l'autre. BB, deux images. Comme ça, ça vous permet d'avoir un angle et l'autre angle. Bon, enfin, si vous voulez tout bip, vous connaissez bien votre métier. Donc vous avez aussi volume ellipse ou à la main. Vous pouvez faire voilà, pas mal de choses à ce niveau-là. Alors, vous pouvez faire des rapports. Et vous avez aussi une sauvegarde U-Disc, c'est-à-dire une sauvegarde clé USB, hein, si vous avez. Là, bah, vous faites 1, hop, et là, il va me dire USB notre disque, je n'ai pas mis de clé USB. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour. Je vous montre quand même donc le bébé, voilà, et image de référence. Là où on peut faire éventuellement volume ellipse, sur deux ellipses, une qui serait d'un côté, de l'autre, pour faire un vrai volume... un peu plus, mais je pense qu'un volume simple, ça suffit. Vous avez le temps mouvement, mais ça, faites pas de cardio, je pense pas. Donc,